Alors, comme nous sommes tous là, nous sommes bien entendu réunis dans des circonstances tout à fait particulières, puisque les conditions de ce conseil sont sans public, pour respecter les consignes de la préfecture. Elles ne sont pas à huis clos. Je vous rappelle qu'il faut que les portes soient ouvertes, que toute personne qui veuille assister à ces échanges puisse le faire. Donc, nous avons des enceintes et des chaises dehors dans le cloître de ce beau couvent des Jacobins. Pour autant, je vous propose une convention de presque 20 heures. Conformément à l'engagement que j'ai pris auprès de tous les élus, tant à la demande de la majorité que de l'opposition, je vous propose que nous commencions cette séance par une minute de silence. Avant que nous nous levions pour l'observer, je voudrais ici une nouvelle fois rendre hommage à Christophe Frey, qui aurait dû être avec nous ce soir, qui malheureusement nous a quittés si jeunes, d'une façon si soudaine, à 3 jours des élections, lui qui pourtant était si sportif. Je voudrais ici, je crois que vous le partagez tous, lui rendre hommage pour l'engagement qui a été le sien, notamment au sein du SAS Football, en tant que joueur, mais surtout en tant que dirigeant, responsable du tournoi FR, qu'il a su développer pour en faire un de ces événements qui porteront le nom de Saint-Sever, responsable aussi de l'école de football, où il a su mettre en place des projets éducatifs, avoir le souci d'encadrement et de la formation. Tous ceux qui l'ont bien connu se rappellent sa gentillesse, sa disponibilité, son dévouement au service des autres. À titre personnel, on faisait partie de la même classe, on aurait dû cette année partager le banquier de 45 ans, et j'avais eu la joie d'officier comme maire pour son mariage avec Magali. Je vous propose que nous ayons une pensée pour Magali, pour Marie-Lou, pour la maman de Christophe, pour son frère Stéphane, bref, pour toute sa famille, et que nous avons ensemble une pensée plus affectueuse. Peut-être qu'avant que nous nous levions, quelqu'un du groupe de l'opposition veut rajouter quelque chose à ce mot, à son attention. Je crois Olivier que tu dois avoir. C'est Olivier ou Cédric? Oui, déjà je tiens à remercier Maxime Soudain pour justement avoir accédé à ma demande de 2 minutes de silence. Pour nous, Christophe était bien plus qu'un ancien policier, c'était vraiment un ami. Et donc c'est pour nous, nous avons une pensée aussi également très très émue pour lui, pour sa famille, pour Magali, pour Marie-Lou, Stéphane et donc et toute la famille. Donc merci pour cette attention. Je vous propose que vous nous leviez. Jusqu'à sa mort. Je vais donc
procéder à la lecture du tableau des élus. Tauzin Arnaud, Ferron Patricien, Fabien Jean-Marc, Virginia Marion, Bailly Christian, Dupont Sophie, Choulet Jacques, Duprat Marie-Claire, Labarère Johan, Roux Corinne, Fabre Arnaud, Bader Marie-Ange, Tasté Christophe, Lévesque Aurélie, Langade Laurent, Sauvignon Sylvie, Barrière Dominique, Gauziel Agnès, Ducane Ludovic, Poudengs Solange, Bergès Christophe, Martinez Olivier, Souriant Julie, Fotous Marjorie, Roufia Olivier, Laburte Isabelle, Malé Cédric. Lecture de cette liste des élus installée par l'élection du 15 mars est en fait, je me dois, de passer la parole au doyen de la science, puisque je ne suis dorénavant plus le maire de la commune. Bien, donc je vais officier pendant quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord ouvrir la séance du conseil municipal en faisant l'appel des présents de cette séance. Donc, Arnaud Tauzin, Patricia Ferron, Jean-Marc Fabier, Marion Virginia, Christian Baillet, Sophie Dupouille, Marie-Claire Duprat, Johan Labarère, Corinne Roux, Arnaud Fabre, Marie-Ange Babert, Christophe Tassé, Aurélie Lévesque, Laurent Langlade, Sylvie Sauvignon, Dominique Barrière, présent. Agnès Bosiel, présente. Ludovic Ducam, présent. Solange Poudens, présent. Christophe Bergès, présent. Olivier Martinez, présent. Julie Souriant, présent. Marjorie Vaudouze, présent. Olivier Rouffia, présent. Isabelle Laburte, Cédric Mallet. Très bien, donc les 27 élus sont tous présents ce soir. Je vous en remercie, c'est très important. Nous allons commencer la séance en désignant comme d'habitude un secrétaire de séance. Donc habituellement c'est toujours le benjamin de l'Assemblée, donc on ne va pas déroger. Je demande au benjamin de l'Assemblée qui s'appelle Johan Labarère, s'il veut bien être secrétaire de séance, il a l'habitude. Ok. Très bien, donc je voulais vous dire un petit mot avant d'entamer cette séance. Bon, je pense que c'est toujours important de dire quelque chose quand on entame une mandature de 6 ans. Ça a son importance. Mesdames, Messieurs, chers membres du conseil municipal de Saint-Sauveur. Ce soir, nous sommes ici réunis pour procéder à l'installation du conseil municipal de Saint-Sauveur suite à l'élection du 15 mars 2020. Nous sommes réunis dans des conditions exceptionnelles, puisque dès le 17 mars à midi, la reconnaissance d'une crise sanitaire hors du commun avait repoussé ces installations. Il me revient le privilège de prendre la parole puisque je suis le doyen de cette assemblée. Tout cela fait beaucoup de circonstances particulières. Parce que nous sommes dans une crise sanitaire mondiale historique, plus que jamais, notre assemblée doit être porteuse d'esprit, de responsabilité, de rassemblement et d'espoir.
La responsabilité, c'est celle qui, à Saint-Sever comme dans toutes les communes de France, a animé tous les citoyens acceptant un confinement inédit. C'est cet esprit qui a porté les professions à témoigner d'un courage exemplaire afin de faire face à un virus redoutable, à la contagiosité exceptionnelle. Ces métiers du terrain, médecins, infirmiers, gendarmes, ambulanciers, pompiers, tout particulièrement l'ensemble des personnels soignants, tous ces métiers ont été le symbole du courage quotidien. Que chacun d'eux soit assuré durablement de notre reconnaissance ainsi que de notre mémoire. Également le courage des familles qui ont accompagné des proches dans la lutte contre des souffrances terribles, sans parler des drames des séparations brutales pendant le confinement. Toutes ces réalités pèsent sur le sens des mots que je vais utiliser ce soir. Parce que ces responsabilités sont exceptionnelles et que la crise sanitaire va probablement ouvrir le chemin à d'autres crises, notamment économiques et sociales, nous devons être rassemblés. Être rassemblés, non pas pour gommer des différences non légitimes, mais être rassemblés parce qu'il faudra beaucoup de force pour affronter cette terrible tempête qui secoue notre pays. Regardons notre diversité dans cette salle. Autant de différences de tempérament, d'origine, de sensibilité, de parcours professionnel, d'expérience de vie. Mais ces différences, surtout en temps de crise, nous devons être capables de tirer le meilleur pour le bien collectif. Nous ne sommes pas uniformes et nous ne devons surtout pas chercher à l'être. Nous sommes un miroir de Saint-Sever, de tous ses quartiers, de ses associations, de ses activités, de ses métiers. Plus que jamais, ce miroir doit veiller à ne pas se briser. C'est l'un des espoirs que je tiens à formuler ce soir. Car plus que jamais, en période de crise, nous devons être les serviteurs de l'espoir. L'espoir légitime que chaque citoyen est en droit d'attendre de la politique en général et de ses élus municipaux en particulier. L'espoir que chacun d'entre eux consacrera son énergie à tenter d'améliorer le quotidien de chaque Saint-Severin par l'écoute et le sens du service. L'espoir que la confiance manifestée par le vote sera honorée. Une élection municipale, c'est l'élection de la proximité, de la rencontre d'un homme ou d'une femme et de son équipe avec la population. Quand vous êtes malade et que vous allez chez le médecin, ce n'est pas l'ordonnance qui soigne, mais les médicaments. Il en est de même pour l'élection municipale. Ce n'est pas l'étiquette ou le programme qui peut changer le quotidien, c'est quand le contenu des programmes devient réalité sur le terrain. La majorité municipale sortante a voulu que son programme soit ambitieux pour Saint-Sever. Cette ambition collective a rencontré l'adhésion d'une large majorité de Saint-Sever. Pendant 10 semaines, cette ambition collective, nous l'avons défendue sur le terrain. Que nous a appris le terrain ? Nous a appris qu'au lieu de montrer du doigt, il est plus efficace de serrer une main. Qu'au lieu de diviser, il est tellement plus positif de voir tous les liens qui unissent chacun d'entre nous. Pas une famille dans son histoire n'a été épargnée par des drames, des difficultés ou des épreuves. Mais pas une famille ne doute qu'elle puisse, ensemble et unie, gagner, progresser,
et avancer. C'est ce que nous avons défendu pour les habitants de Saint-Sauveur. Nous avons partagé la volonté des parents afin que le service scolaire soit le tremplin efficace pour la formation de notre enfant. L'espoir de nos jeunes sportifs persuadés, car si méritants, ils seront demain dans des équipes de tout premier plan. C'est aussi notre espoir. Le goût de la compétition de ce jeune chef d'entreprise ou commerçant qui vient de s'installer, convaincu que sa vitalité lui permettra de franchir tous les obstacles, c'est aussi notre goût de la compétition. Et la liste de ces défis que nous espérons à gagner ensemble est longue. Sur le chemin de ces défis, notre équipe et notre commune ont un leader. Avant de présenter ses qualités, je voudrais lui dire combien j'ai été attristé de voir son nom souillé la nuit de décembre par des inscriptions anonymes d'une indignité absolue. Je n'aurais jamais imaginé que notre ville puisse être le lieu d'action aussi vile. Et puis, j'aurais tant aimé qu'elle soit capable d'une union absolue et unanime pour condamner ses agissements. Mais même à ce niveau d'indignité, ce leader a su garder le calme nécessaire. Il a su faire vivre dans notre équipe une convivialité douce qui inspirait nos vidéos avec tant de sourires sincères sur les images. Il a su guider les arbitrages avec rigueur, sérénité et détermination. Et là aussi, si je devais énumérer la liste exhaustive des points, ce serait non. Pour toutes ces raisons, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de présenter au nom de la majorité municipale la candidature de M. Arnaud Tauzin à la fonction de maire de Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour cette candidature de maire ? Nous allons procéder au vote à bulletin secret. Alors, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il n'y aura pas de passage par les isoloirs, c'est convenu avec la préfecture, ça sont des règles bien établies. Donc vous avez un papier devant vous, avec un stylo, donc vous inscrivez le nom de la personne que vous souhaitez voir devenir maire de Saint-Sauveur. Et donc lui, on va vous être présenté, va passer devant vous et chacun pourra voter et déposer son bulletin dans le vote. Donc suite au vote, là, nous avons besoin d'assesseurs. Donc, comme d'habitude, ce serait bien que ce soit les benjamins de chaque liste, donc Johan et Cédric, monsieur Mallette, si vous voulez bien.
voter. Donc, je vais vous lire les résultats qui me sont communiqués de la feuille de dépouillement pour l'élection du maire de Saint-Sever. Il y a eu 27 bulletins déposés dans Lyon. Il y a eu 6 bulletins pour le moment. Donc 27 moins 6 reste 21. Donc la majorité absolue est à 11. Le seul candidat en liste, M. Arnaud Tauzin, a obtenu 21 voix. Il est donc élu maire de Saint-Sever.
Merci beaucoup, Jacques. Merci pour ce mot plein de douceur, plein de sagesse. Merci aussi pour ta fidélité. Je n'oublie pas qu'avec Claire, nous sommes les trois doyens de cette assemblée, puisque nous allons attaquer notre troisième mandat de suite. Je voudrais tout d'abord remercier les Saint-Séverins, les remercier pour leur civisme. Dans les conditions que nous connaissons, ils ont été près de 7 sur 10 à honorer leur devoir en allant monter le dimanche. Soit une participation très forte, dans un contexte tout à fait délicat, qui rend ce scrutin tout à fait légitime. Je voudrais remercier aussi les Saint-Séverins pour leur vote large et net pour notre équipe Jeanne Saint-Sebé, qui démontre que notre bilan a été apprécié et que le projet présenté a séduit. Je voudrais remercier l'équipe pour la confiance qu'ils m'ont témoigné en repartant quasiment tous, et je salue la qualité et la motivation de ceux qui nous ont rejoints. Je ne m'étendrai pas plus sur l'élection et la campagne, qui est déjà fort loin, puisque nous avons été élus le 15 mars, et donc officiellement investis 2 mois et demi après. Je voudrais pour autant, dans ce démarrage de mandat, profiter de ce moment pour faire le point sur la crise du coronavirus Covid-19 sur notre commune de Saint-Sevé. Tout d'abord pour vous dire que, bien que les Landes soient un département peu touché, nous n'avons pas été épargnés. Je voudrais saluer le respect des consignes barrières des Saint-Sevérins qui, dans leur très grande majorité, l'ont respecté avec beaucoup d'application, même si dans bien des cas c'était très difficile à vivre, car source d'isolement. Je n'oublie pas que notre hôpital a joué tout son rôle, mettant même en place un service pour aller dépister dans des EHPAD voisins en faisant des tests avec une équipe dédiée et donc participant à ce travail sanitaire. Je voudrais saluer aussi le travail de tous les agents qui ont œuvré à l'EHPAD, les soignants, largement, qui ont été en première ligne avec une mobilisation entre eux pour se fournir des masques dans les premiers jours. Je voudrais saluer le travail de Jacques Quittanson, qui, bien qu'étant à la retraite, a beaucoup œuvré dans ces moments-là, et plus largement tout le personnel, qu'il soit du CIS ou de l'ADMR, qui a fait un travail remarquable à domicile. Je n'oublie pas non plus que dans ce fief de l'agroalimentaire, dans ce tiroir agricole fort, tant les agriculteurs que tous les salariés de nos abattoirs et de nos entreprises agroalimentaires ont participé à l'approvisionnement en nourriture de nos habitants, tant localement que très largement au niveau français. N'interrompons pas leur travail et faisons face avec beaucoup de courage dans les premiers jours où nous avions très peur. Plus largement, et ça se verra, on a su faire preuve de solidarité et d'entraide durant toute cette période. Cette période aurait été aussi une période de travail intense, tant pour les élus, la majorité, que pour les agents de la ville. Dès les premiers jours, il nous a fallu informer la population. Ainsi, dès le mercredi 18 mars, un courrier était transmis en porte-à-porte à tous les habitants, dans lequel il y avait à la fois le rappel des consignes, les explications liées à la limite de déplacement, les numéros d'urgence, en particulier le numéro où ils pouvaient appeler pour tout besoin et où ils tombaient sur une permanence d'élus. Je voudrais ici saluer les élus de la majorité qui ont fait cette permanence d'élus et l'ensemble de notre équipe qui, ici, a fait des courses, là est allé rendre visite à un voisin, là est passé dans une pharmacie, bref, a essayé de répondre aux personnes qui étaient isolées, aux personnes qui avaient des besoins. Toutes les habitantes de Saint-Sevé, de plus de 75 ans, ont aussi été appelées. Les 21 élus de Jeanne Saint-Sevé ont pris part à cet appel. C'était l'occasion de prendre des nouvelles, l'occasion aussi de
certains besoins. Il a fallu aussi relever le défi des masques. Nous avons fait partie des premières communes à passer une commande avec l'association des maires des Landes sur des masques chirurgicaux. Nous avons eu la possibilité aussi, grâce à des contacts qu'avait Arnaud Faro, de pouvoir passer une commande en direct à des importateurs qui s'approvisionnaient en Chine. Ainsi, nous avons pu rapidement offrir des masques à l'EHPAD de Saint-Sever, au CIS, du Cap de Gascogne, plutôt de Chalosse-sur-Sang, à la DMR, à la gendarmerie, etc. Nous avons bien sûr pu doter nos agents. Rapidement, il nous a semblé que les masques chirurgicaux manquants, il fallait trouver d'autres solutions. Sur l'idée de Jacques Choulet et à l'initiative de Claire Duprat, nous avons contacté la société Pyrénées, nous avons été la première commune à le faire, et ils se sont lancés dans une mini-reconversion en se lançant dans la fabrication de masques. Nous avons ainsi pu doter dès début avril nos agents de 350 masques issus au Nord Mafnor, et rapidement nous avons bien vu qu'ayant relayé cette information dans toutes les communes de Chalosse-sur-Sang, Pyrénées recevront beaucoup de commandes. Ils ne seraient pas en capacité de fabriquer dans le délai un masque pour tous les habitants. Sur une idée de Sophie Dupouille, nous avons donc imaginé la transformation de l'Albert en manufacture à masque. Je voudrais ici remercier Marion Virginia et Marie-Lange Babert qui ont su mobiliser des premiers noyaux durs de couturière. Remercier également Dominique Parrière qui nous présente tous les jours et plus largement tous les bénévoles et tous les élus qui se sont mobilisés dans cette belle aventure. Nous avons réussi en une semaine et un jour à fabriquer 5658 masques, avec le concours bien sûr de la commune de Montsouris, qui s'est associée à nous dès les premiers jours et qui ont participé durant toute cette belle semaine à cette initiative. Je n'oublie pas les 30 couturières à domicile qui ont participé à ce bel élan, qui au fond fait que remettre au goût du jour un vieux principe de Chalosse, à savoir l'entrée d'entreprise qui existait tant dans le monde agricole et qu'on a pu, dans ce moment-là, mettre en œuvre, qui a permis donc de fabriquer tous ces masques à un coût très modeste. Et je voudrais remercier une nouvelle fois la société Pyrénées qui nous a permis d'avoir les tissus, qui nous a permis de visiter leur organisation de production, de pouvoir la dupliquer à la Loubert. Ces masques ont été distribués par les élus, avec le concours d'agents et de bénévoles, mais aussi de la gendarmerie. Je voudrais vraiment saluer Jean-Michel Fulé pour ce geste. C'était un moment très apprécié. C'était l'occasion aussi de prendre des nouvelles de tous les habitants de la commune. Je vous parlais de réorganisation de la mairie. Dès les premiers jours, il a fallu mettre en place un service minimum. Nous avons pu mettre en œuvre très rapidement un maximum de télétravail, ce qui nous a permis de poursuivre les marchés, poursuivre la comptabilité et de pouvoir dès 11 mai faire une commission d'appel d'offres pour allouer à des entreprises locales le marché de la rénovation de la salle annexe, qui au final n'aura perdu qu'un mois par rapport au planning initial. Nous avons également, grâce à une implication forte polisienne et l'appui d'Arnaud Fabre, nous avons été une des premières communes à mettre en place un plan de continuité d'activité, qui est au fond un document officiel définissant comment nos équipes allaient pouvoir retravailler en respectant les gestes barrières. Ainsi, dès le 20 avril, nos services techniques reprenaient à mi-temps, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires aux habitants, dont le ramassage des encombrants la semaine dernière, dont également la poursuite du ramassage des déchets verts pendant toute la période, quartier par quartier. Et je tiens à saluer la police municipale sur le pont pendant toute cette période et qui sera à la déchetterie dans les jours à venir, permettant à la déchetterie avec le concours du CITOM de pouvoir ouvrir un jour de plus. Je finirai en parlant des écoles, qui a été également un enjeu important. Et je peux vous annoncer ce soir que tous les enfants des familles qui en ont fait la demande auront la joie de revenir à l'école 4 jours par semaine
avec un enseignant en face des enfants à partir de mardi prochain. Je dis bien 4 jours par semaine pour tous les enfants qui en ont fait la demande. Il n'y aura aucune sélection sur les critères de profession à Saint-Sevé. Vraiment, je voudrais remercier l'inspecteur de l'éducation nationale, Christophe Combe, et M. Flamme, directeur de l'Académie, avec qui nous avons fait un gros travail pour arriver à cette situation qui satisfait tout le monde. Je voudrais rappeler aussi que nous avons été une des rares communes à mettre en place un accueil périscolaire dès le 11. Mais de 7h30 du matin jusqu'à 18h30 le soir, parce que nous avons beaucoup de familles qui travaillent notamment sur Grand-Marsan et qui avaient des problèmes de garde. Nous avons également mis en place cet accueil périscolaire, sera bien entendu poursuivi jusqu'au 3 juillet. Nous avons aussi mis en place des actions d'aide à ceux qui restaient en présentiel avec le prêt d'ordinateur et la cantine à domicile. Tout dernier point, et ça fera ma transition sur l'après-Covid, qui est la plus grosse crise économique qu'a connue la France depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui va se traduire par probablement plus d'un actif sur deux au chômage, aujourd'hui dans le secteur privé, mais également dans 15 points de PIB, de richesse nationale, peut-être en plus. Je veux parler de la situation économique. Un gros travail a été fait pour soutenir le marché, qui n'aura quasiment pas connu de coupure, puisque nous avons été une des premières communes à mettre en place à l'initiative de Claire Duprat un drive qui a maintenu le contact. Je veux remercier le service communication de la ville qui a communiqué les numéros de téléphone, les endroits où les personnes pouvaient passer commande, de façon à maintenir ce marché, maintenir cet approvisionnement local. Nous avons également plusieurs fois travaillé à la modification de l'implantation. La semaine dernière, plus de 800 personnes pour la deuxième week-end consécutif ont fréquenté le marché hebdomadaire et les exposants nous témoignent que le chiffre d'affaires qui est le leur ce samedi-là est bon. Nous avons eu ce qui nous satisfait. Cette période même, semble-t-il, a permis à des jeunes couples, à des personnes plus jeunes, de découvrir le marché et puissent ce retour à cette proximité perdurer. C'est un enjeu important pour notre commune. Nous avons, samedi dernier, eu le retour des samedis en musique avec une petite animation musicale. Et bien sûr, si des annonces de réouverture de bars et restaurants interviennent dans les jours à venir, sera sûrement étendu dans la saison, mais pas limité à juillet-août. Et également, à l'initiative de Yoann Marion-Anclair, une campagne de spots publicitaires est en préparation qui permettra, normalement d'ici cette fin de semaine, de mettre en avant tous les commerces, ça se verra, de l'habillement, de la mode, pour au fond, que maintenant que nous sommes déconfinés, rappeler que nous avons beaucoup de commerçants qu'il faut soutenir, qui font un beau travail, qui offrent un beau service, et venez déambuler dans les rues de Saint-Sevé et faites vos courses à Saint-Sevé. C'est comme ça qu'on relèvera ce territoire. C'est souvent les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je m'arrêterai là sur cette crise du Covid, qui est un moment où nous devons faire face à beaucoup d'inédits. Nous ne savons pas trop au fond comment se déroulera l'été, quelle sera l'ampleur de la reprise, sera-t-elle lente, longue. Il faudra donc faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation. Et dans ces circonstances, de pouvoir s'appuyer sur une équipe expérimentée est une grande chance pour moi. Et je crois qu'il nous faudra tous collectivement faire preuve de sens des responsabilités au service des Saint-Séverins, au service de Saint-Sevé, car tel que nous l'avions affirmé dans notre nom de liste, nous aimons profondément Saint-Sevé, et je crois que c'est une valeur que nous partageons tous. Je vous souhaite à toutes et tous un bon mandat. Mes derniers mots iront à ma famille. Je voudrais remercier mes parents, qui ont transmis tant à mon frère, qui lui, en deuxième tour, à Dijon, moi-même, le virus, l'engagement local, et également une pensée à Caroline et à mes enfants, pour qu'ils vivent avec un élu, c'est aussi faire preuve de beaucoup de sens du sacrifice.
a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Cédric. Bonsoir à tous. En premier lieu, je vais réitérer, j'ai une pensée très très émue pour notre ami Christophe Fay, qui par ses qualités d'attention, d'écoute et de présence sur le terrain, aurait été un excellent conseiller municipal, j'en suis certain. Je suis d'ailleurs ici présent, car lui, malheureusement, n'est plus notre. Je vous remercie de nouveau pour avoir accédé à qu'on ait pu faire cette minute de silence qui, pour nous, était vraiment très importante. Je remercie l'ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance lors de cette élection. Je rassure d'ailleurs que nous serons les représentés durant les 6 prochaines années et nous serons aussi également portés à leur voix ici au sein du conseil municipal. Au nom de tous les colistiers, j'adresse à M. Tauvin et à toute son équipe mes félicitations républicaines pour sa réélection. Nous prenons acte du choix des Saint-Severins et formons le vœu que M. Tauvin œuvrera pour Saint-Sever et tous les Saint-Severins dans le respect de chacun d'eux, notamment sur la solidarité, l'écologie, le dynamisme qui sont au cœur de nos préoccupations. Nous assurerons nos fonctions avec sérieux, engagement et droiture, dans un esprit qui sera constructif, mais également critique quand cela sera nécessaire. La campagne électorale est terminée, les électeurs ont tranché. Nous assurons donc dès maintenant notre travail pour le bien-être de Saint-Sever, le bien-être de ses habitants et ce qui semble bon pour eux. Je vous remercie de votre attention. Bien, nous allons, après cet échange initiaux, pouvoir reprendre l'ordre du jour avec le deuxième point qui est la création du nombre de postes d'adjoints et de conseillers municipaux délégués. Nous aurons derrière, bien sûr, l'élection des adjoints. J'ai fait le choix de renouveler le fait d'avoir 8 adjoints, comme c'est le cas depuis plusieurs mandatures à Saint-Sever, et d'élargir le nombre de conseillers délégués de façon à avoir un maximum d'élus impliqués sur des compétences très précises pour l'efficacité de l'action municipale. Même si, au fond, les nominations exactes de ces délégations-là seront prises par arrêté du municipal, pour la bonne compréhension de tous, je vais vous faire lecture de qui seront ces adjoints et de quelles seront les délégations qui seront élues. Le premier adjoint est Jacques Chollet, en charge des finances. Le deuxième adjoint, une adjointe, puisque c'est Patricia Ferron, qui sera en charge des services publics et de la proximité. Le troisième adjoint est Jean-Marc Fallier, en charge du patrimoine et de la culture. La quatrième adjointe est Marion Berginien, en charge du tourisme, de l'information municipale et de la promotion de la ville. La cinquième adjointe est Marie-Claire Vibrat, en charge du développement économique et des affaires scolaires. Le sixième adjoint est Arnaud Favre, en charge des travaux et du développement durable. La septième adjointe est Sophie Dupouille, en charge des sports. La huitième adjointe est Aurélie Lévesque, en charge de l'action sociale. Les conseillers municipaux délégués sont Christian Baguier, en charge de l'accueil des nouveaux arrivants, auprès de Marion Machina, Yoann Labarrière, en charge de la revitalisation auprès de Claire Duprat, Corinne Roux, en charge du fleurissement du cadre de vie auprès d'Arnaud Fabre, Marie-Ange Babert, en charge du jumelage, Christophe Etasté, en charge de la gestion des cours d'eau, Laurent Langlade, en charge des fêtes, Sylvie Sauvignon, en charge des aînés, de l'intergénérationnel et du conseil municipal des enfants et des jeunes auprès d'Aurélie Lévesque, et enfin Dominique Barrière, en charge de la sécurité des cérémonies. Y a-t-il par rapport à ça des questions, des interventions? Tout ça sera précisé et affiché sur le fichage officiel. Est-ce qu'il y a une intervention ou passons au vote?
premier au nombre, soit au poste de 8 adjoints des 8 conseillers municipaux délégués. Y a-t-il par rapport à cette délibération numéro 2 des oppositions, des abstentions? Donc, 6 abstentions, cette délibération est adoptée. Troisième délibération, l'élection, vous avez donc les noms des 8 adjoints. Nous avons donc une urne qui va passer. Donc c'est... Voilà. Donc, Joël et Cédric, c'est les nouveaux officiers. Thank you.
Adjoints et conseillers municipaux de Québec, ont été élus à 21 voix pour et 6 bulletins blancs. Félicitations à vous. Je crois qu'on peut vous appeler. C'est une demande qui est maintenant une obligation. Il nous faut faire lecture de la charte de l'élu local. Je vais vous passer la lecture de toutes les pages. Le but était que vous l'ayez reçu, que vous puissiez en prendre connaissance et que nous puissions acter que vous l'aviez tous reçu. Y a-t-il par rapport à ce document, qui définit au fond une forme de déontologie, des questions, des remarques, des prises de parole? S'il n'y en a pas, je pense que nous pouvons prendre acte que nous avons bien tous pris connaissance de cette charte et puissions-nous chacun d'entre nous la respecter. Cinquième point à l'ordre du jour, les délégations données au maire par le conseil municipal. Au fond, c'est le conseil municipal qui prend les décisions. Je ne peux agir que lorsqu'on me l'avait donné l'autorisation. C'est notamment ce qui se passe sur le plan budgétaire. Au fond, je ne peux engager des dépenses qui sont notamment adoptées en conseil municipal, l'autorisation à les engager. Pour autant, pour le bon fonctionnement au quotidien, pour éviter que nous réunissions toutes les semaines, il est courant que le maire reçoive un certain nombre d'attributions qui lui permettent d'agir. C'est notamment la possibilité notamment de demander des subventions, de fixer des tarifs, des autorisations en matière comptable, en matière d'urbanisme. Il n'y a pas de changement majeur avec ce que vous m'aviez octroyé il y a 6 ans. Et en tous les cas, chaque fois que vous me confiez une délégation, je dois rendre compte. Et c'est pour ça, comme c'était le cas dans ce conseil, que vous avez à la fin le rappel de toutes les décisions que j'étais amené à prendre entre deux conseils. Ce qui permet en conseil a posteriori de pouvoir poser toutes les questions pour la part de chacun d'entre vous sur quelques décisions qu'elles soient. Y a-t-il par rapport à cette cinquième délibération des questions au conseiller en vote? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions. Je vous remercie, cette délibération est adoptée. Sixième délibération, l'indemnité des élus. Nous restons dans des indemnités
qui sont de 20% inférieures à celles du mandat 2008-2013, c'est-à-dire avant que nous arrivions en responsabilité. Cet effort fait par l'ensemble des élus qui ont reçu délégation permet au final d'avoir une enveloppe des indemnités qui sera légèrement inférieure à celle de la mandature de 2008-2013. Voilà l'équilibre global qui a été décidé et que nous soumettons à votre vote. Nous avons certes un nombre important de conseillers municipaux avec délégation, mais au final, puisque chacun d'entre nous faisons un effort sur nos indemnités, nous restons dans une enveloppe qui n'augmente pas par rapport à 2013. Y a-t-il des questions par rapport à ça? S'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Cette délibération est adoptée. Création des commissions municipales. Nous privilégierons dans le prochain mandat la formule des comités de pilotage, des groupes de travaux et de commissions de réunions thématiques. Où nous ouvrirons à chaque fois que nécessaire, bien sûr, à tant la majorité qu'à l'opposition. Nous aurons en particulier, probablement rapidement, à relancer le comité de pilotage sur l'écoquartier, puisque ce chantier a recommencé. C'est un chantier très lourd. Dans la mandature précédente, c'était André Lafargue qui représentait l'opposition dans cette commission, dans ce groupe de travail, je veux dire. Pour autant, nous avons aussi des commissions officielles. Nous avons fait le choix d'avoir trois commissions sur les trois compétences strictement communales qui sont les plus importantes. La première, c'est les finances, qui bien sûr se réunira régulièrement, comme dans la mandature, systématiquement, avant chaque conseil municipal où il y aura des délibérations à caractère financier. Nous avons une commission affaires scolaires, qui s'est déjà réunie une fois il y a 15 jours pour faire le point sur la reprise après le 11 mai, qui probablement se réunira dans les jours à venir. Et nous avons fait le choix d'avoir une commission qui réunit à la fois les travaux, à la fois le patrimoine et le développement durable, qui sera donc co-animée par Jean-Marc et par Arnaud. Nous avons fait en sorte de garder les mêmes représentativités que dans les mandats précédents, à savoir qu'il y ait 8 élus de la majorité et 2 de l'opposition, ce qui permet à chaque élu d'être présent dans une commission. Y a-t-il par rapport à ça? Vous nous avez fait part dans l'opposition de la majorité des candidats que vous avez chacun proposé pour chacune des commissions, ce qu'on dit à tout le monde. Donc, je vous propose que ce vote se fasse avec les bulletins qui ont repris et donc qui avaient été donnés tant à l'opposition que par la majorité. Pourtant, avant que nous passions au vote, y a-t-il des questions, des remarques, des prises de parole? Donc, il y a un seul bulletin qui reprend les 8 de la majorité et 2 de l'opposition dans chacune des commissions. Je vous propose que nous passions sur la troisième, qu'on fasse le tour 3 fois avant de faire le dépouillement pour essayer de gagner en rapidité. Je vais refaire appel à. Donc vous allez chacun recevoir les 3 bulletins. Il faudra mettre le bulletin dans chacune des unes correspondantes. Et je vais faire appel à une nouvelle fois de la journée.
Thank you.
Thank you.
Bien, trois commissions donc, qui ont été élues à l'unanimité. Je vais faire lecture des membres de chacune des commissions. Commission Finances, Jacques Soulet, Marion Berginia, Solange Pudens, Dominique Barrière, Ludovic Lucan, Marie-Claire Dutrat, Patricia Ferron, Yoann Lavarère, Cédric Mallet, Olivier Rouffia. Commission Affaires scolaires. Marie-Claire Dutrat, Christophe Bergès, Sylvie Sauvignon, Agnès Gauziel, Aurélie Lévesque, Arnaud Favre, Marie-Ange Rabert, Laurent Langlade, Julie Sauvignon et Cédric Mallet. Commission Patrimoine, Travaux et Développement Durable, Jean-Marc Favier, Arnaud Favre, Sophie Dupouille, Corinne Rowe, Christophe Bergès, Dominique Barrière, Christian Ballier, Christophe Tasté, Olivier Rouffia, Isabelle Laburte. Nous allons continuer les élections des commissions. Vous allez avoir trois bulletins qui vont passer. Nous allons donc élire en premier la commission ABA, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Vous allez également élire les titulaires à la commission d'appel d'offres et les suppléants à la commission d'appel d'offres. Nous avons donc une seule liste de candidature à la commission ABA. Arnaud Tauzin, Jean-Marc Favier, Arnaud Favre, Christophe Tasté, Corinne Rowe, Laurent Langlade, Christian Ballier, Marjorie Tautous. Les titulaires à la commission d'appel d'offres, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Marion Berginia, Arnaud Favre et Olivier Martinez. Et les suppléants à la commission d'appel d'offres, Dominique Barrière, Christian Ballier, Christophe Tasté, Patricia Ferron et Julie Souriant.
27 à voter pour la liste des élus qui siégeront au sein de cette commission. On va faire aussi un vote à main libre, puisque dans cette commission qui est très réglementaire, c'est défini par le ministre de l'Agriculture, nous devons aussi désigner deux personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine. Et nous vous proposons de réélire ceux qui étaient déjà membres de la commission AVAP, à savoir Jean-Paul Farbos, Marie-Danielle Lafargue. Et il y a également désigné deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux. Et nous proposons de continuer avec les mêmes délégués, à savoir Jean-Philippe Duchesne et Alain Cotte. Protocolairement, je dois de mettre ces deux désignations au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous continuerons donc à faire partie de la commission AVAP. La commission AVAP est complète et donc on peut passer au point 8, création des commissions d'appel d'offres. Et donc on va procéder au dépouillement des titulaires et des suppléants de cette commission.
Deux listes, tant de titulaires que de suppléants, sont adoptées à l'unanimité par 37 voix. Je propose donc que nous passions à l'avant-dernière délibération de cette soirée. Ce sera de nouveau un vote où il y aura deux urnes qui vont passer. C'est pour les élections au comité technique paritaire. En titulaire, je vous propose la candidature de Jacques Choulet et de Marie-Claire Ducrac. Suppléant de Marion Virginia et d'Arnaud Fraba. Y a-t-il des candidatures autres que ces deux listes? S'il n'y en a pas, on va faire passer les bulletins et les urnes vont passer derrière. Pour la dernière fois de la soirée, je vais faire appel au service de Joanne et de Cédric.
Bien. Dépouillement de nos donc vote suivant, 21 votes pour et 6 abstentions, tant pour les titulaires que pour les suppléants. Les candidats qui sont proposés sont donc dorénavant élus au comité technique. Il nous reste un dernier point, qui est la commission taurine extra-municipale. Comme vous le savez, ça se fait comme en ville, des langues de la plus ancienne été, la plus forte. Présence d'une tradition taurine. Nous faisons donc partie de l'Union des taurines de France. Je tiens à remercier Pierre Poiris qui a accepté de prendre la responsabilité de cette commission à mes côtés, qui a travaillé à la composition de cette commission. Et donc le fruit, la liste donc que je voulais vous soumettre est issue de son travail que j'ai bien sûr accepté. Au-delà de Pierre, moi-même qui me suis élu de droit, il fallait élire, désigner un conseiller municipal, ce sera, je vous propose, Johan Damarère. Nous avons choisi sur leurs compétences le vétérinaire des arènes,
à savoir François Cosse, président de la section Tauros, à savoir Cédric Brett, deux membres de la section Tauros, à savoir Jean-Claude Vitaza et Jean-Charles Bouet, et deux membres des Peñas Jeunes Aficionados, à savoir Christian Cardone et François Brousse, et la Peña Saint-Jean, à savoir Jean Casobo et Jean-Christian Dabadi. Voilà la liste que vous avez soumise au vote. Ce sera un vote à même levée. Y a-t-il des questions avant qu'on procède à cette élection? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour l'adoption de cette commission. Tout dernier point, l'information sur la décision prise dans le cadre de la délégation, vous l'avez tous eu entre vos mains. Y a-t-il des interventions, des questions par rapport à cette décision? S'il n'y en a pas, lors de l'élection, elle est clos. L'occasion pour moi de dire qu'il n'y aura pas de photo officielle. On la fera une fois que le confinement total nous permettra. Et que malheureusement, les règles du geste barrière nous interdisent également de partager de l'amitié. L'amitié. Je vous souhaite donc un bon retour. Je vous remercie d'avoir participé à cette première séance.